Donc nous sommes ici, nous allons partir pour le combat. Nous allons aller récupérer la clé de Lux. Ah, et le combat en fait qui va suivre est un peu dur, donc on va sûrement vouloir réinitialiser les habilités, etc. avant. Ah, mais on verra ça après. Pas de la ferraille là-dedans. Ok. Alors, d'abord, on va prendre Pharo. Careful, stay back. On va la mettre en haut. Alors, le robot est assez loin, il va pas nous entendre, donc on est tranquille. Ah, très bien. Lui, c'est lui qui va avancer. Lui, il va rester loin. Belle vue sur tout le monde. Et son AE fonctionne comme ça en fait. C'est des gens qui sont à portée parce que les autres sont pas à portée en fait. C'est ça le truc. Je suis en train de me dire portée des armes. Est-ce qu'on a un objet qui augmente la portée des armes? C'est déplacement. Est-ce qu'elle va avoir les 20% en plus quoi, si on fait ça? Oh! Elle vient de passer. Vous avez vu que quand on fait les habilités un peu trop vite, genre mettre en combat. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Hey, over here. Disperse. Oh la vache! Join up. Distribute yourself. Désolé. Voilà, c'est bon, on avance. Peut-être qu'elle va pouvoir toucher les deux. M'étonnerait quand même, mais on sait jamais. On va voir ça. Bon, par contre, on a moins de. On a que 70% de crit. Donc voilà, maintenant elle peut toucher. Donc, 75% de toucher avec 60% de crit. 70% de crit, pardon. Ah, plutôt cool. Est-ce que ça marche? Yes, ça a marché. Très bien. Alors après, je crois que lui, on peut le tuer sans qu'il s'en aperçoive, mais c'est un peu proche. Je crois qu'il s'en aperçoive quand même. On va faire ça. Yeah, bien joué. Bien joué. On a fait du crédit sur les deux. Très très bon. Ah. Que se passe-t-il? Ok, apparemment. Petit problème avec les animations là. Je crois que je vais devoir redémarrer le jeu après ça. Un peu le risque en fait. C'est pour ça que ça me fait un peu peur des fois de jouer en homme de fer. Enfin, mutant de fer. Là. De toute façon, si on se prend des coups, c'est pas grave. Bormil, il est résistant et puis on peut se remettre. Ah, très bien. Voilà. Il
falloir qu'on défonce. Alors. Okay, 50%. 75. 100%. Très bien, là, le feu c'est cool, ça va nous aider. Voilà, bien, bien, bien. Il reste plus que 10 HP, c'est très bien. Trop, ça détruit là. Le tronc et tout. Ça, hein. L'autre, on peut toujours le visser, ouais. Alors des fois j'ai eu des problèmes quand je contrôlais des gens, on pouvait plus leur tirer dessus en fait, c'était un peu bizarre. Vous voyez que lui il peut bouger très loin, ça c'est cool, ça c'est vraiment bien pour les déplacements. C'est pour ça que la course d'attaque en fait c'est quasiment inutile. C'est quasiment inutile avec lui. Good stuff. Parce qu'il a des très gros déplacements. Et puis moi, à chaque fois, je lui mets le bandana, donc il peut se déplacer encore plus loin. He did it, kid. Et voilà. Mode d'arme, 2 de dégâts critiques, c'est vachement bien ça. Et 50% de désactiver. 50% de chance de désactiver les robots. Voilà, on a plein de trucs. La clé, elle est... on l'a récupéré la clé. Non, elle est là, non. This feels wrong. Why are we doing this? Why are we helping Lux again? I've been out in the zone too long. I think Lux is getting in our heads, making us do things. Ok. Donc vous avez vu un peu le combat, vraiment très très bien placé, passé. Et comme j'ai dit, la course d'attaque est vraiment pas utile pour lui. C'est pour ça que je veux prendre ça prochain. Ça va être le brise-crâne. on a une truc. Okay. Alors maintenant, toi tu vas. En plus, c'est bien parce qu'on vient d'en tuer 3. Donc du coup, bah marionnettisme, c'est prêt. Voilà, tout simplement, c'est prêt. Donc on est tranquille. Tu peux aller te reposer, c'est bien. On va faire le robot. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Hop, très bien. On a eu des grenades et tout ça en plus. Et vous avez vu comment ça marche, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Ça aussi, ça a été réinitialisé, c'est cool. Vraiment cool ce tir multiple, vraiment très très cool. Et on va mettre invincible pendant un tour, juste au cas où. Oups, attendez. C'est lui. Lui, il lui faut. Parce qu'on va d'abord jouer E2. Et si jamais leur coupe-circuit loupe, bah du coup... Du coup, on est dans la merde. Il va falloir utiliser la grenade. Ça va, il s'est pas réveillé. You don't know who you're messing with. That's right. Très bien. Il y a encore 2 tours, très bien. Faut qu'on se recule. Alors, vous connaissez XCOM, vous connaissez les sectopodes.
C'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Yeah. Hey, over here. On n'est pas extrêmement dur si on est préparé. Il a plusieurs attaques évidemment, donc il a, je crois, un lance-flamme. Il a un canon. Un canon en fait, il vous cible et il n'a pas besoin en fait de vous cibler directement. Il va cibler une zone en fait, en gros. C'est un peu comme le canon du sectopode au final, vraiment, le gros canon. Il va pas cibler vous, mais il va cibler la zone où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'il va pouvoir quand même vous tirer dessus si vous êtes dans la fumée, par exemple. Ah, donc ça, c'est très dangereux. Et ça détruit les... Ça détruit les couvertures et tout ça. Les covers et tout. Ça fait une grosse explosion, c'est pas mal. Et on a un nouveau casque. Immunité contre les coups critiques. Très très bien. Très 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 bien. Alors, voyons voir les mutations qu'on peut augmenter vite fait. J'avais dit que ouais, il faudrait ça. Ouais. On va faire avant d'aller rendre la clé, parce qu'on peut rendre la clé, on va faire autre chose. On va aller casser la gueule un peu à des trucs un peu à droite à gauche. Oh oh oh, je sais où. Vous vous rappelez le chemin de fer, la grande route. On va aller là. Je sais qu'on a laissé des gens. Ah, c'est pour monter de niveau. Hein. C'est pour monter de niveau. Y a ça. Il y a les mecs du début qui étaient niveau 55 aussi. Voilà. Là, on essaye de monter de niveau pour avoir le provoque, en fait. Tout simplement. Alors, je sais pas comment on va le faire. Je sais plus exactement ce qu'il y a. Comme ennemi. Je crois aussi dans le tunnel il y a aussi des monstres, des ennemis. Des ghouls qu'on n'a pas tués, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc on a un chaman. Chaman qui a 16 HP. Oh, attendez. S'avancer, c'est pas grave. Give up now and I'll go easy on ya. Yes! Faut qu'on fasse un tour aussi à l'arche pour mettre le nouveau mode qu'on a mis. Qu'on a récupéré. Alors là on va avoir que 75% de chance de toucher.
pute. Là, si on avait quelqu'un qui pouvait sauter, par exemple, ce serait beaucoup mieux. Parce que, du coup, en fait, on peut sauter directement sur le... à côté de lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, très bien. Maintenant, on fait lui. Vous voyez, on n'avait vraiment pas besoin de les faire. Là. Vraiment pas besoin de les faire. Et des fois, franchement, je vais être honnête, mais j'ai déjà expliqué, c'est mieux de garder des petits ennemis comme ça un peu, genre un peu dans le monde comme ça, qui traînent. Comme ça, ça peut vous aider à réinitialiser vos habilités. Avant un gros combat, si vous avez besoin de réinitialiser des habilités et que vous avez personne aux alentours, bah vous êtes dans la merde, vous voyez ce que je veux dire. Bah là, du coup, vous avez ça. Alors, toi... Chance de MP. Je sais pas si vraiment on a besoin. J'aurais dû peut-être lui mettre le MP. Ah non, non, mais elle va vouloir... Ah, ça va, ça passe. Le robot il va vouloir sauver quelqu'un de toute façon. Donc c'est pas grave, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais bon, on le touche, donc ça va. Hey, over here. Mais par exemple, on aurait pu prendre la fille avec la corne. J'ai oublié son nom. Et se mettre en combat et après en fait sauter directement, parce qu'elle elle a ça en premier, sa mutation, c'est ça. Donc sauter directement sur le camion là qui est couché et directement être à côté de la cible. On aurait pu faire ça par exemple, ça aide. Faro elle l'a en dernier ça, donc bon, on n'aurait pas pu vraiment l'utiliser. Normalement on a encore eux, non? Je crois qu'on les a pas tués. Ouais, il y a encore de la lumière, donc il y a un coffre. Ouais, ok. Alors avant de faire eux, parce qu'ils sont simples, on va aller là. Parce que je veux faire les niveaux 55, là. Vous vous rappelez d'eux? Par contre, je sais plus dans quelle zone ils étaient. C'était dans cette zone ou une autre zone? C'était là peut-être. On va voir. Sinon, je couperai si je trouve pas. Ouais, c'est là. Que je veux utiliser son ça. Ok, 100% parfait. Alors ça dépend pas du niveau, parce que vous voyez qu'il est niveau 55, nous on est que 35, donc en théorie ça devrait pas marcher. Ça dépend pas du niveau, ça dépend du type d'ennemi. C'est-à-dire que plus ils sont élevés dans la hiérarchie en gros, et plus ils sont difficiles à contrôler. Ok, là on a eu 100%.
100%. J'espère qu'elle aussi elle a 100%. Ouais. Voilà, on devrait vite le tuer. Ah, très bon. On a des armes qui font mal quand même. En plus, il est tout à portée. Enfin, on a tous 100% de chance de le toucher. Ah, il a pris feu, très bien. Yes, on est bon. Il va mourir du feu. Il est où? Il est où le cadavre? Je sais pas. Je sais pas où il est. Ah tiens. Alors là c'est un peu la déception, c'est un autre boomer en fait. On a déjà deux. Donc bon. Donc voilà, ça nous en fait un troisième. Ça nous en fait un troisième. Et pourquoi je voulais l'utiliser? Parce que comme ça on fait 2 kills et on récupère en fait marionnettisme. Et du coup, on en a 3 je crois. Ouais, j'en ai un là, l'autre il a un équipé, et après il y a quelqu'un encore d'autre. Et maintenant... Titan... Ouais, on retourne là. Et là on va tuer les autres, on en a 3 je crois bien. Donc on va pouvoir utiliser des habilités, des grosses habilités. On va prendre elle. On va lui faire utiliser ça et toi tu vas utiliser le truc pour faire tomber si jamais. Si jamais on a besoin. De chance de toucher. Careful, stay back. À voir si avec peut-être le la visière là. This way. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. À 75%. Ah là là. Ça va, ils font pas de bruit, c'est bien. Ils font pas de bruit du tout. Parce que là, il y a 3 morts là. Donc on peut y aller avec les... On s'est fait voir. Là on peut y aller avec les habilités quoi. Voilà. Ah, on peut pas toucher les 3 en même temps. Non, on va faire ça alors. Oh non! C'est la mauvaise arme. Oh que con. Oh, c'est pas grave. Ah le con, c'est pour ça qu'elle... C'est pour ça qu'elle pouvait pas faire 2 kills. Ah par contre j'aurais dû foncer d'abord en premier parce que là je vais brûler. Ah merde. Ouais. Pas grave. Oh la vache, les dégâts s'il te plaît. Ah, c'est bloqué par la fumée. Parce qu'il a créé de la fumée. Oh, waouh. Alors, j'avais pas pensé à ça, quoi.
Alors là, j'avoue que... J'avoue que c'est pas mal. Waouh, j'avoue que... Alors là, je suis sur le cul. Ça fout la merde. On va faire une grenade. Pour éviter de perdre encore plus que ce que... Oh putain, ça va même pas la tuer parce que elle a 2 de défense. Oh la vache. Overwatch. C'est abusé. C'est abusé ? Énorme. I'm the hero, you're the zero. Ah, le robot il craint pas le feu. Mais c'est énorme comme c'est tout merdé. C'est abusé, j'ai jamais vu ça, première fois que ça me le fait. Déjà on aurait jamais dû se faire avoir autant de dégâts là, on n'a jamais dû avoir autant de dégâts. Oh putain, il y a l'autre. On n'aurait jamais dû avoir autant de dégâts, on a eu autant de dégâts, c'est parce que à chaque fois en fait il a lâché de la fumée. Et je crois que ça a compté comme si on avait plusieurs dégâts, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a marché plusieurs fois dans le feu alors que normalement on devrait y rester en... Ah non, je sais. Alors attendez, je répète. Si vous prenez feu, vous avez un de dégâts, et après par tour, vous avez un de dégâts. Mais si vous remarchez dans le feu et que vous êtes enflammé, vous n'avez pas de dégâts. On est d'accord ? On est d'accord. Par contre, lui, il a dégagé de la fumée quand il a marché dans le feu. Donc à chaque fois, il s'est allumé, il s'est éteint. Il s'est allumé, il s'est éteint, il s'est allumé, il s'est éteint plusieurs fois. Donc il a eu un comme ça de dégâts, c'est abusé. Oh la vache. Je suis dégoûté. Ah, on a le propulseur, c'est une sorte de ray gun, c'est pas mal. Follow me. Putain, mais je suis dégoûté. C'était tellement pourri. Ah, faut qu'on retourne à l'arche. Ah, il y a le terrier aussi de la putréfaction qu'on peut faire. À la limite, ça serait plus... Je crois que c'est la même. C'est la même. Même niveau. Ouais. On a plein de choses à faire. On a honnêtement plein de choses à faire. On va voir pour monter. Si vous êtes ici pour piquer sur mon père, c'est bien piqué clean, ok? Mais si vous voulez un fixe ou un upgrade, parlez à moi. Alors, il y a le propulseur. C'est pas mal. C'est une très très grande portée. Ça a une seule balle à chaque fois. Ah, mais bon. Pas extrêmement. Extrêmement bien, je trouve. On va augmenter un fusil d'assaut, parce que comme j'ai dit, j'ai dit que j'aimais bien. Très bien, et après on prendra en niveau 3. Le fusil à pompe aussi en niveau 3. Et après, il y aura une autre arme aussi à augmenter. Je sais plus exactement quand on la récupère. Exactement. Là, on a 10 soins. Honnêtement, ça me fait un peu chier. Là. Et merde. Pardon. Voilà. Là, on est bien pour tanker. Ah, Bormin, tu m'as fait de la merde quand même. Hein. Il lui manque 5 HP, quoi. M'a bien fait de la merde. Voilà.
Alors, moi je vais faire une petite pause et la prochaine fois... Alors, en fait, on a le choix, on a vraiment le choix. Ou on fait ce combat, on en finit avec le château de la lumière, mais il est un peu chaud le combat. Donc je sais pas si on va pouvoir bien le faire. Et après, il y a le terrier de la putréfaction aussi à faire. Là, je sais plus trop. Si on a tout, je crois qu'on a tout fait. Il y a le terrier à faire. Et après, toute terre de secte et tout. Et là, là ça c'est le grog. On verra après. Ça aussi, il faut le faire. Ouais, on finira peut-être le combat et après on ira dans le terrier de la putréfaction. Je regarde juste si je suis assez équipé. Dégâts de feu, très bien. Elle a de la portée en plus. Toi, t'as le déplacement. Ouais, très bien. On n'aura pas besoin de ça. On va avoir besoin de grenades parce qu'il y a beaucoup de murs et tout à détruire. Et voilà, je pense qu'on est bon. Elle restera avec ça. Il y a les ailes qu'on peut utiliser, mais c'est très safe en fait d'avoir le mange-mort à portée. Surtout que en ce moment c'est bien de l'utiliser parce que plus tard en fait ça va être extrêmement difficile de l'utiliser. On va combattre surtout des robots. Ah oui, petite chose avant que j'arrête. C'est important de savoir que les cadavres en fait vont disparaître si on sort de la zone. Donc si, imaginons qu'il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. Il y en a 5 qui sont réunis que vous pouvez pas tuer en un par un, mais que vous tuez les autres 5, et que vous sortez et que vous rentrez, du coup vous aurez plus de cadavres pour vous soigner. Il faudra vraiment tuer les nouvelles personnes pour pouvoir récupérer les cadavres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à ça aussi. Là on est bon. Ouais, on est bien équipé. On est bien équipé. Voilà, on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois.